Je sais bien que vous aimez bien votre artiste Ferrigo là. Je sais bien que vous êtes tellement passionné de la musique ou soit de l'art de Jésus de Nyons, le Padre. Du côté réalisation, clip, je dirais que innocent. Sur ces points-là, moi personnellement, je vous ai toujours jeté des panégyriques. Sur ces points-là, je vous ai toujours félicité. Ouais, nous sommes là, tant Moussa les Ali, là ici que Moussa les Ali, quoi. Tenez-vous prêts, dynastie arrive. Nous sommes dans la résidence du Padre, dans la résidence de notre boss. J'ai bien dit. Donc, Ferrigo là a des challenges, des opices. C'est ça le moment déjà de faire des campagnes. C'est ça le moment de faire déjà des promotions. Jésus de Nyons, Ferrigo là, les Padres, à Azan, un concert, un grand concert. Vraiment, c'est même une matinée. Une matinée acoustique. Une matinée acoustique. Le moment est venu. Gaulois, Gauloise, bimana distraction. Oh Ken Impiana, bimana distraction. Oh X Saliboye. Ça vous porte paix. Là, je l'ai dit. Ça vous porte paix. Ferrigo là des grands challenges. Kinshasa la TV, mais cela on les a quoi. Yara Oloba, Oloba, Oloba. Yara Oloba. Kinshasa la TV. Makamba solo, yara bagage na yo, yaka, on a la fête, non, yara tolo, on a la faire na yo, yara tolo, on a la fin hôtel na yo, t'es le chambre 4 mbet, chambre 4 mbet, boucana, ok, y'a bien, de rôle de canaki, t'es une activité, et bien, on a la solo. Bon, on commence avec vérité, le coûté, on passe à la vérité, ce qui vérité, c'est mon anati. Kinshasa la TV, on a les gars, boyo les gars, pas de match au bandit là, maramoutou, awa, Kinshasa la TV. Je suis Ben Mavembo, le positiviste. Je vous salue. Et bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez capter les antennes de Kinshasa TV, une autre façon d'informer et de communiquer avec votre humble serviteur Ben Mavembo, le positiviste. Et très heureux de vous retrouver devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones Android, devant vos laptops, devant vos téléphones intelligents. Et encore une fois de plus, merci de vous retrouver partout. Parce que c'est votre humble serviteur, comme vous le constatez, bien entendu que je suis seul sur ce plateau. Pour une simple et bonne raison, je me suis pointé à l'horizon vraiment pour une petite analyse sur des sujets d'actualité, comme vous le constatez, comme vous le remarquez, bien entendu. Vraiment, chers internautes, les abonnés de Kinshasa TV, vraiment, avant na kota vraiment na vif sujet na ngai ba analyse, avant na kota vraiment na vif sujet na ngai, vraiment, il y a moi. Point de vue, bah, propos à retenir par rapport à bah, sujet d'actualité. J'aimerais d'abord bien remercier mon boss, Dieu Kinshasa, l'étoile du berger. Bah, la beauté plus l'argent, ça donne la force. Là, c'est vraiment incontestable. Et un grand merci à Claude Loukebakweno, l'homme de jugement par défaut. En tout cas, merci beaucoup vraiment de développer cette culture, de partager nos émissions, de liker, de suggérer, de critiquer et puis de liker parce que nous aimons bien vraiment vos likes là, vos salons tellement bien et puis bon aider bisous vraiment dans ma partage, ça nous va droit au cœur. Chers internautes, avant d'entrer dans le vif sujet, j'aimerais d'abord bien vraiment avec une attitude de tristesse parce que la RDC aujourd'hui nous avons perdu l'une des plus belles voix de la musique congolaise. Je ne dirais pas seulement de la musique congolaise, mais je dirais que de la musique africaine, parce que nous avons perdu Moko, vraiment, yaba, Moko yaba généraux. C'est-à-dire c'était un grand général dans le monde de la musique, parce qu'il a tapé fort, il a donné le meilleur de lui-même, vraiment, na kiltir yambo kanabiso, et il a beaucoup œuvré. Il a beaucoup œuvré, na combo vraiment, il y a Joski Kiakumbukuta. Ouazalaki vraiment moko ya ok jazz. Ya ok jazz et toebi oyo ya sala. Et vraiment, encore une fois de plus, ce n'est pas vraiment facile. Parce que nous avons essayé de remarquer et nous avons constaté, vraiment, c'est évident. Aujourd'hui, la RDC a commis vraiment qu'on perdre bas grand. A commis qu'on perdre bas grand ébélé na musique na biso. Mais seulement nous demandons, c'est-à-dire la génération ou bazoya lelo, basala en sorte que ba emboîté ba pas ba oyoyo ba ene ba sala. Parce que si et seulement si
ba comprendre ya ko emboîter ba pas ya oyo ba ene ba sala. Moi je pense que nous allons maintenir, nous allons conserver rumba odemba, nous allons vraiment maintenir la culture de notre pays, parce que aujourd'hui nous le savons bien que ba oyo ba sala ya minene avant aujourd'hui tout ça vraiment du sous na bango mingité. Peut-être à l'exception, il y avait Mopao et puis la génération Bazoya, vraiment l'élo. Mais nous vous demandons vraiment de maintenir, de conserver vraiment art Yambo Kanabiso. Pour conserver culture Yambo Kanabiso, et ça sera vraiment la fierté de la République démocratique du Congo. Comme aujourd'hui, nous avons perdu Djoski, Kakumbokuta, Londa, Oyazalaki, Moko Yaba Vaillant. Ozaki moko ya ba brave, ozaki moko vraiment ya ba combattant na musique ya mboka na biso, et il nous a quitté. Vraiment nos hommages, et puis culture ya mboka na biso, nos artistes, pourquoi pas la République démocratique du Congo dans son ensemble, vraiment en deuil. Quand bien même mokolo aiba ko se respecter, moi je pense que serait toujours à sincère, et cela a été toujours une valeur. Vous savez, le respect, c'est une valeur. Le respect, ça demande toujours, ça nécessite la réciprocité, comme nous le savons bien, chers internautes, les abonnés de notre belle chaîne. En tout cas, Innocent, j'aimerais bien d'abord commenter ou soit analyser sur sa chanson ou soit son chant de Mémé. Mémé, oui, du côté réalisation, clip, je dirais que Innocent, sur ces points-là, moi personnellement, je vous ai toujours jeté des panégyriques. Sur ces points-là, je vous ai toujours félicité. Sur ces points-là, je vous ai toujours jeté de vraiment de flair, je dirais. Sur ces points-là, en tout cas, tu donnes les meilleurs de toi-même. Parce que j'ai essayé de faire une marche en arrière par rapport à... Il y a un clip au Sala Sala Kala, notamment, bien, là même j'avais apprécié, top modèle, là c'était vraiment super. Et comme pas possible, même n'a pas fait jusqu'aux preuves du contraire, vraiment, et ça sera toujours une chanson fréquente, n'a pas réjouissance, n'a pas fait, et puis machin. C'est encore c'est les quelle. Là, c'était aussi vraiment du waouh, et c'était lourd. En tout cas, du côté clip, je ne sais pas vraiment trop vous reprocher, mais je sens vraiment une intelligence variée dans point wana. Je sens vraiment du professionnalisme sur ces points-là, Innocent. En tout cas, coup de chapeau. Bien que clip nayo, ça crée beaucoup d'encre salive. Et puis, les gens ont tendance que, au provoquer Batou, mais alors que sa conception, peut-être y a clip nayo. Bon, je ne pense pas que ça va aussi renverser le monde. C'était peut-être sa philosophie, ta philosophie, voulais-je dire. C'était ta philosophie. Il y a Oluka un tout petit peu, il y a qu'on réalisait clip wana, et ça l'impé de la sorte. Et puis les débits et les termes, vraiment il y a clip wana, je n'ai pas vraiment assez beaucoup de choses à te reprocher. Mais seulement, je voulais un peu te reprocher sur quelque chose, le jeune leader Innosbi Innocent. Tu as la fleur d'âge, moi personnellement je t'encourage, parce que c'est une bonne chose de voir un jeune comme toi, vraiment Osako est vrai dans les bons. Mais seulement un petit souci de mon côté, une petite préoccupation inquiète de mon côté est que, Innocent, je n'ai pas du tout aimé, je n'ai pas dit que je n'ai pas aimé totalement, mais seulement je n'ai pas du tout aimé les textes. Il y a Mémé Wana. Dans quel sens? C'est-à-dire, soit au sali marche en arrière, il y a un texte au sali à la Banzimbo Moussousou. C'est ce que j'ai dit tantôt. C'était vraiment waouh, c'était vraiment génial. Mais seulement, Oyozo préparé, peut-être demain ou après-demain, j'aimerais bien que Oluka au perfectionné. Vous savez, de la même manière que tu perfectionnes quand même ba réalisation, ba clip, nayo, emplacement, machin. De la même manière, j'aimerais bien que Omeka vraiment qu'on perfectionne vraiment texte, parce que c'est les textes de vraiment il y a Ndimbo Yo,
Je n'ai pas du tout aimé, mais du côté clip, ça essaie un peu de découvrir quand même l'ensemble de la chanson. Là, vraiment, je tiens à te féliciter. Tu es un jeune leader qui fait la fierté, vraiment, il y a Kiltir Yambokanayo. Ote ka Kiltir Yambokanayo vraiment dans les bons. Et vraiment, je te félicite. Mais quand moi, Moukie, je pense bien que ce qu'on a dans l'émission, Oyoyo, profitez pour tirer quand même moi les sons pour omeka un tout petit peu à kobong sa texte parce que j'ai pas du tout aimé ces textes mais bah texte aux alarano déjà dans les bons mais cette fois-ci je n'ai pas vraiment compris au pe si vraiment les meilleurs yayo moté nandengo au pe saka comme avant et j'aimerais bien encore une fois de plus analyser parce que nous sommes sans ignorer que la pandémie de COVID-19 a bouleversé beaucoup de choses dans le monde. La pandémie de COVID-19 a bousculé beaucoup de choses. La pandémie de COVID-19 a ravagé même de vies humaines. Et laissez-moi vous dire que l'an passé et cette année civile 2021 en cours, vraiment, ce n'est pas du tout vraiment année moko facile pour na batu oyoyo, c'est-à-dire bazar un peu mon métier moko tout le temps en mouvement. Notamment nos artistes, c'est là où je vais tarder surtout ma petite analyse, c'est là où je vais beaucoup plus tarder sur quand même mes propos ou encore mes explications appropriées à ce qui concerne nos artistes musiciens parce que nous avons essayé de comprendre avec la pandémie qui ne cesse jamais de bouleverser des choses, nous avons compris une chose qui défie Oyoyo. Ou soit les combats. Oyoyo, combattant, il y a toujours qualité pour les artistes de la Bissau. Vous savez, on a passé des moments dire. On a passé des moments dire pendant, ou soit quand bien même le président Kabila était en place, ou encore pendant que le président Kabila a eu le pouvoir, nous avons essayé de remarquer qu'il y a eu 10 ans ou plus de 10 ans d'absence. Il y a ma production, il y a ma concert de nos artistes, des artistes congolais, musiciens congolais, pour prester surtout précisément à Paris, même en Belgique. Ce n'était pas facile pour eux. Mais seulement, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment Fabregas, Koffi Olomide, et puis Ferre Gola aussi, avait un grand challenge surtout pour cette année civile 2021 de livrer un concert exceptionnel. Mais on est en train d'observer, et Werenson aussi également a un grand challenge pour les mois de juin de livrer un concert vraiment du waouh, des spectacles. Parce que nous le savons bien que Werenson, c'est un artiste des spectacles. Et combien même Werenson a manifesté un spectacle, ou soit à ça un spectacle, et ça nous laisse vraiment. C'est-à-dire, écrire l'Arabie, c'est vraiment moi, chamant, koboye, un peu, il y a stupéfaction, tout comme un peu, moi, ming. Parce que, one, il y a vraiment particularité, il y a Werenson. Mais qu'est-ce que j'ai voulu quand même expliciter là-dessus par rapport à ma concert, et puis avec la maladie, soit la pandémie de COVID-19. Nous avons appris que à partir déjà du mois de juin, grande salle est Kofungwama pour un spectacle. Voilà pourquoi Werenson a lancé déjà un challenge pour le mois de juin, Fabregas pour le mois de mars et Ferre Gola aussi au cours de cette année civile 2021. Mais seulement, ayez vos apaisements parce que jusque-là, il n'a pas encore précisé la date. Mais seulement, chers internautes, j'aimerais bien clarifier des choses parce que moi j'aime bien des détails après détails. J'aimerais bien clarifier des choses. Pourquoi? Parce que je me pose tant de questions sur les combattants. Vous savez, la personne Oyo Bobandaï ko combattre atika pouvoir et aujourd'hui Aza Soussou na pouvoir ti. Nous avons maintenant un combattant. Je dirais même qu'il a combattu les bons combats et aujourd'hui il détient le pouvoir. Félix Antoine Tshisekedi. Oui, c'est vrai que dès l'entrée des jets de son pouvoir, il y a un autre, mais c'est moi qui ai échange. Ce n'est pas ça vraiment analyse Nangaï. Ce n'est pas ça analyse Nangaï, mais comprenez que là c'est juste une parenthèse. Mais nous aussi de la presse, nous demandons aux combattants, Pessa, artiste Nabiso, chance, disons. Parce que ce Pessi Bango chance, et ça réagisse pour la fierté. Il y a drapeau, il y a Mbokanabango. Bien que bon, on s'est retrouvé ailleurs.
bien que bazo combattre ailleurs bo pesa bango chance ba livrer ba concert ba te ka culture ya mboka na biso ne ba mesana toujours côté ka yango. Vous savez, on a toujours dit que Congolais a combattra toujours moningane Congolais. Mais quand bien même on pose la question, pourquoi vous vous combattez moutou ya ya nation na yo ou soit ya patrie na yo? Et moi je pense que il sera toujours une raison à propriété ou ba avant saka ou soit ou ba agent saka. Là c'est ce que ce n'est pas. Boti que là vraiment nos artistes tant ba livrer ba concert na bango nde ba mesana parce que nous prions Dieu, le bon Dieu, de façon que ba pandémie oyo ya Covid 19 et soit vraiment fin parce que on a marre avec cette pandémie parce que ezako tardé marambo tellement ebelé ezako bousculé marambo ebelé ezako renverser ba programme ya batou ebelé. Voilà pourquoi nous demandons aux combattants ba pesa vraiment nos artistes chance ba livrer ba concert na bango dans les bons avec succès et avec réussite pour toujours na cadre ya côté ka kiltiro ya mboka na biso. Nous sommes sans ignorer que nous avons vu même des affiches, nous avons vu même des spots. Jésus de Nyon se fait rigoler à les padres à Zana concert, un grand concert. Vraiment, c'est même une matinée acoustique. Et ça là, na boulevard du 30 juin, en diagonale, il y a INSS, ex-INSS, actuel CNSS, donc Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Juste en diagonale, vous verrez un espace. C'est écrit aussi en grand caractère, les millionnaires. C'est là où Ferregola va prester son concert, il y a le 14 mars. Et ce concert, c'est dédié pour les femmes. Et ça, dédié pour ma maman, comprenez que ça, moi et ma maman. Et moi, personnellement, je profite de cette occasion vraiment de souhaiter une heureuse fête, joyeuse fête, na ba maman nios tout, mais seulement to lingi que moi oyoyo le reza moi na bino ezala beaucoup plus moi ya ba réflexion ezala beaucoup plus moi vraiment qui c'est-à-dire bo apporter la pierre à l'édifice bo apporter vraiment la lumière dans la société comme dit toujours la Bible que c'est-à-dire la femme est l'aide de l'homme. Ferrigo là déjà les 14 wana ça sera déjà vers 14h singleton $30 et puis couple c'est cela revient à $50. Encore une fois de plus, dead set. Là, je vais beaucoup plus tardeux parce que Nameka qui moi mouké comme ça la constante. L'autre fois, j'ai même passé mon émission avec. J'étais invité. Il y a concert Nangaï, Nancy Basselé. On a essayé de discuter sur l'affaire des Gaulois et Gauloises. Gaulois et Gauloises. J'aimerais bien que vous allez vraiment attentionner. Naba propos moi mouké, na lingina. Na avancé ou soit na lingi na partagé na bino. Je sais bien que vous aimez bien votre artiste Ferregola. Je sais bien que vous êtes tellement passionné de la musique ou soit de l'art de Jésus de Nyonce, le padre, qui est vraiment un artiste talentueux. C'est quelqu'un auquel lelo na RDC avec sa voix. Il est peut-être, laissez-moi le dire, j'ai bien dit, j'apaise bien mes mots. Il est peut-être le seul où il y a que soit bête acoustique dans le studio, tout comme en live, il n'y a pas assez de la nuance. Parce que à reproduire la même voix, là c'est Ferregola. Là c'est Jésus de nuance. Gaulois, Gauloise. Vous devez en jouir de cela. C'est très important et c'est même hyper important pour l'artiste, pour le produit que vous, Gaulois et Gauloises, que vous avez choisi comme produit à promouvoir. Passez-moi l'expression. Mais j'aimerais bien vous motiver. Moi, Ben Mavembo, le positiviste, votre humble serviteur que vous aimez bien. J'aimerais bien vous motiver. J'aimerais bien vous stimuler à propos de l'artiste, de la fierté de notre pays, de celui qui vend valablement la culture de mon pays. Moi, j'aime bien parfois l'appeler le patrimoine exceptionnel de mon pays, Jésus de Nyonce, les padres. Gaulois, Gauloises, je tiens à vous rappeler, nous sommes en 2021. C'est une année que Jésus de Nyonce avait lancé un message hyper important à que cette année, il va lancer dans les disques de marché
des opices. J'ai bien dit. Donc, Frère Gola a des challenges, des opices. Pourquoi? Parce que vous vous posez tant de questions. Pourquoi seulement Ben Mavembo voulait quand même s'adresser aux Gaulois et aux Gauloises? C'est parce que j'ai compris que d'une part, vous vous entremêlez dans des distractions bidons. Passez-moi vraiment l'expression. Gaulois et Gauloises, d'une part, j'ai bien dit, d'une part, vous vous entremêlez dans des distractions bidons. Pourquoi? Pendant même que vous avez votre artiste, l'artiste de mon pays, le patrimoine de mon pays, Frère Gola, a des grands challenges à lancer dans les disques des marchés au cours de cette année civile 2021. Mais écoutez, c'est ça le moment déjà de se mobiliser. C'est ça le moment déjà de faire des campagnes. C'est ça le moment de faire déjà des promotions. Pour votre artiste, pour les produits que vous avez exquis, vous avez choisi. Ah, Claude Loukebakou est l'homme de jugement par défaut. Eh, la noblesse oblige Mavembo, Namoni déjà Kuna, en tout cas, mon vieux Bush Bouchir, Yabatou, Yamer, Ornella, Nakati, à London. Je pense bien que vous avez vraiment attentionné Marambo. Sandy Bekate, hein. Sandy Bekate, il y aura quand même moi et Lokoyo. Sensibilisation, le moment est voulu, le moment est venu, voulais-je dire. Le moment est venu. Gaulois, Gauloise, bimana distraction, oh Ken Impiana, bimana distraction, oh X Saliboye. Ça vous porte paix. Là, je l'ai dit. Ça vous porte paix. Faire égola des grands challenges. Dynastie et harmonie. Et comprenez que Frère Gola voulait entrer dans une aventure où peut-être il soit à leur côté. Harmonie, musique opéra, rumba trap, oyoyo, Frère non attiré leur côté. C'est-à-dire, c'est la première aventure de Jésus de Nyons, de Frère Gola. Et comprenez que c'est la chaleur du Congo, de notre pays. Donc je transpire comme pas possible, mais supportez-moi, parce que j'ai quand même un papier qui me permet au moins d'essuyer moi mon tokinangai. Chers internautes, je vous dis, et les Gaulois, bah Gauloises, pour comprendre les deux grands challenges, il y a Jésus de Nyons, les padres Montoya et Yambo. Mais avant de continuer mon commentaire, j'aimerais demander à la régie, na bokasité à JM, Tola Xabino, que combien vraiment Jet Set y a fait rigola, bah travailler d'arrache-pied pour la dynastie. J'ai bien dit, Jet Set, parce que dynastie est pour la Jet Set dans l'ensemble. Mais harmonie, c'est pour Jésus de Nyons lui-même. Voyez-vous? J'aimerais bien qu'il y ait une capacité à JM Jérémy Makiesi. Ah, mais quand moi, mon qui est, qu'on balance les bisous, moi, bah, extrait, moi, je dirais que moi, bah, ingrédient, il y a des locaux, bah, préparer les déjà, bah, gaulois, bah, gauloise, et puis, bah, mélomane, il y a bonne musique, et puis, nous allons revenir pour certains commentaires. Dynastie arrive. On continue à travailler. Si on ne travaille pas, on n'est rien. Voilà quoi. Boulot. Ouais, nous sommes là, tant Moussa les Ali, là ici que Moussa les Ali quoi. Tenez-vous prêts. Dynastie arrive. Nous sommes dans la résidence du padre, dans la résidence de notre boss, Frère Gola. Et notre boss, nous avons une chance. Et voilà, là je pense bien que vous avez compris. Le travail bien accompli de Jésus de Nyons, vous avez compris l'œuvre de l'artiste avec son groupe, Jet Set. Parce que, habite bien, 4 ans sans opice. Et, j'ai bien dit, 4 ans sans opice. Mais attention, préparez-vous en conséquence. Préparez-vous en conséquence parce que moi je connais le savoir-faire de l'artiste Jésus de Nyons. Moi, je connais les savoir-faire. Il y a les padres. Et donc, tenez-vous prêts. J'espère que Boyoki, Mambo, Igor Lubasa, Lobiwana. En tout cas, Igor Lubasa,
Tous c'est la bon bah vocaux non il y a bien wana na dynastie et ça là vraiment genre parce que je sais bien que Boroyem bah quand même na bah ancien collègue il y a boss Nabino les padres hein donc bah aux alazala wana pe ça sera une bonne chose moi qu'au acquérir moi bah expérience bah énépé et ça a été toujours super parce que babi qui fréquente les sages les vingt sages qui fréquente bah tout bas en maïle bah comment toujours maïle donc Kolisa Art Igor Lubasa Igor Lubasa il y a Jetset en tout cas on est ensemble. Jet Set, vous avez déjà vu les images, comment des eaux circulées, des barreaux travaillés d'arrache-pied, barreaux travaillés au foulé au moulin, barreaux travaillés pour être bapessa les meilleurs ya bango moko et puis bas sepeli sabino. Laissez-moi vous dire, travail na bango, ezake, bah on peut ça les meilleurs na bango, bah mais bas sepeli sabino bah fan, bah gaulois gauloise, bah méloman ya bonne musique, j'apaise bien mes mots. C'est-à-dire quoi? C'est que les Jet Set attendent des Gaulois et des Gauloises. Ce n'est rien que la promotion. Vous savez, il est vrai que Ferregola a un bureau. Oui, bureau P et Salamoussala Nabango. Le bureau a la part des responsabilités, bien sûr. Mais aussi, le fan aussi également. Bazarapé n'a part, il y a responsabilité. Hey, mon vieux Jet Kintona. Donc, l'étoile du berger, beauté plus l'argent, ça donne la force. Parce que pas mal de gens, je vous dis, bazo c'est la harmonie. Pourquoi? Parce que Ferregola, Azo Kota, encore une fois de plus, na aventir Oyoyo avant Azaki Nengote. Et donc, il faut faire la promotion comme pas possible. Oui, il faut faire la promotion comme pas possible. Mais rassurez-vous bien aussi. À côté, il y a aussi dynastie. Bah, rumba n'importe où, mais ça, on a un bah fête, aussi moi mère, hein, moi la piste, hein, bah danse, on a cadence, ça fait vraiment hyper bien. Et puis avec la voix angélique, hein, la voix, je dirais que qui ne donne pas le sommeil. Il y a Jésus de nuances. Ah non, allez-y comprendre que ça sera du lourd, ça sera vraiment du waouh, waouh. Merci beaucoup et en tout cas vraiment lentement aussi vraiment. Nous combinera vraiment au terme de cette petite analyse. Un grand merci à JM Jérémy Makiese. Il y a caméra, il y a la personne de Ben Mavembo, les positivistes. Un grand merci encore une fois de plus. Na viens à Bissoumoko Faustin Kintiona. On a vu, il y a Jay Kintiona, l'étoile du berger. En tout cas, incontestable. Et un grand merci encore une fois de plus. Na la noblesse oblige Mavembo, mère Aleki Aspara Lindambi, depuis les États-Unis. Et un grand merci na maître Mike Konjo, maître Innocent Machaka, maître Blaise Bekwa et maître Serge Luyoka. Et un grand merci encore une fois de plus na maître Yajido. Bon, on est sur maître Yajido, hein? Bah, maître Yajido, donc il y a London, wana. Champion tête de Bambi. Mokondi Yamakofi pire wana mama c'est boss na bisopé donc Jay Kintona et un grand merci encore une fois de plus comprenez chers internautes je suis en train de transpirer la chaleur dans notre pays donc je suis zaté parce que ces derniers temps ba moyango donc tout supporter on gara boé mais je suis zaté tout ça toujours on a pour tout sera toujours binoba news et puis ndenge industrie musicale ango et ça rokendele vraiment je vous demande la main sur le cœur boss abonner brutalement sur Kintiona TV, une autre façon d'informer, de communiquer avec votre humble serviteur, Ben Mavembo, les positivistes. Merci beaucoup de suggérer et puis merci beaucoup de critiquer. Moi, personnellement, j'ai toujours dit que j'aime bien des critiques, étant donné qu'aucune œuvre scientifique n'a jamais été parfaite. Je vous aime tant, je vous aime énormément. Restez branchés sur Kintiona TV, une autre façon d'informer, de communiquer. On est ensemble, à la prochaine.